D'abord, quand nous cherchons le Seigneur, cherchez le Christ. Mettez dans la foi. Et là, pour les grandes choses, les grands miracles que bon Dieu nous demande, nous sommes capables de faire dans la vie. Quand nous sommes plus près de Dieu. Cher Seigneur, on nous prend par le bras. On nous mettait dans la place. En plus, on mettait dans la place. Et nous devons nous engager. Avec c'est qui nan la gloire yo nan mwen va content pour mêlé yon jou fòk kanmen mwen kite habitation sou la teya n'importe habite n'a salue tout zanmi internet yo et aswaya nou gòn privilège pou kapab etudye avèk vous leçon numéro 12 ki gen pou titre l'humilité des sages, l'humilité des sages. Nous jouons un verset à mémoriser dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Et nous appelons pour heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Avant que nous entrions dans la solution, nous allons faire un petit prix avec Frère Gary. La première tête, nous, notre Dieu, notre Père des cieux, nous vous remercions pour le privilège que nous avons d'être ici pour réviser ensemble la leçon de la semaine. Seigneur, nous demandons pour capable fouiller le Saint-Esprit par nous, pour éclairer nous, de façon que nous capables comprendre la profondeur et la portée de ces paroles. Non seulement de les comprendre, mais aussi, Seigneur, de les mettre en pratique. Nous prions comme ça au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, on a étudié un sujet qui est assez fascinant, qui vient pour titre l'humilité des sages. Comme nous l'avons remarqué, pendant tout le trimestre, nous avons parlé de la sagesse. Maintenant, nous avons que bon caractéristique que assimiler à cette idée de sagesse-là. Donc, la Bible nous présente la sagesse comme, ou bien l'humilité comme une vertu. Et Jésus-Christ a même prononcé une bénédiction pour le monde qui va montrer aux sages, ou bien vous montrer aux humbles. Il dit, le royaume des cieux est à eux. Et plus tard, il va dire à eux, au monde qui vient rendre sage quand on tient enfant, ou bien au monde qui sage quand on tient monde, eh bien, il dit que le royaume des cieux est à eux. Et en pile fois, nous, la Bible présente nous Salomon comme l'homme le plus sage ou bien le plus humble que la terre ait connu. Donc, aujourd'hui, hein, nous allons essayer d'examiner ensemble avec nous-mêmes cette humilité-là que tout chrétien a supposé gagner ou bien adopter dans la vie. Gary, qui sont-ils capables de dire-nous à propos de cette humilité-là qui doit caractériser nous-mêmes chrétiens? D'accord. Donc, nous disons, frère Jimmy, merci et nous saluons encore tout le monde qui a suivi nous là. Et nous gardons bien dans le son, dans l'introduction, le son. Hein. Nous voyons que l'humilité est une caractéristique de la sagesse. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que un monde qui est sage est supposé humble. Ou pas capable chrétien, il est fini pour arrogant, pour orgueilleux. Mm-hmm. Et il a présenté dans la leçon l'exemple de Moïse, par exemple. Il dit que Moïse, son équité, son patience, son sagesse, sa qualité, à nul d'autre pareil. Mm-hmm. Et comme vous avez cité ça déjà tout à l'heure, Jésus-Christ lui-même lui dit que si un monde voulait sauver, il faut avenir même gens avec yon ti moun. Donc, notre question sauvée dans le royaume, bon Dieu, l'humilité est clé. Ou pas capable, chrétien, sans que ou pas gagner humilité la caillou. Mm-hmm. Parce que l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Mm-hmm. Le contraire de la vantardisme. Mm-hmm. L'humilité, c'est une caractéristique même de Dieu. Mm-hmm. Et la parole, bon Dieu, a même dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait droit aux humbles. Donc, le chrétien est appelé à être humble. Ok. Donc, nous avons remarqué que donc il y a un contraste entre l'humilité et l'orgueil ou la vantardise. Définitivement, définitivement. Ok. L'empathie, moi-même, c'est ça qui dit. Pour qui te prends-tu? En pile fois, nous, les hommes, toujours à battre l'estomac, y a fait ça ou les à chanter quant à moi. Quant à moi. Ouais, et surtout encore nous joignent que les rois du Proche-Orient, ils étaient toujours fait ça.
Après, parce que monsieur était toujours livré à sa relais exaltation de soi. Mm. On prend, parce que d'ailleurs, lorsqu'on arrive à une position d'honneur, on prend, eh bien, on connaît sa relais au niveau, une échelle sociale, mm-hmm. eh bien, vous pensez que. Ou bien crédit, c'est tout. Parce qu'on a fini de faire comme on dit. Yeah. Donc, nous voyons que la Bible nous présente l'histoire de Nebuchadnezzar, pas vrai? Mm-hmm. Monsieur dit, est-ce que ce n'est pas Babylone la grande qu'il bâtit? Exactement. Exactement. Et est-ce qu'on peut parler nous, de qui s'actérise à monsieur suite yeah. à yeah. cette exaltation de soi? Bien, bien. Eh bien, ce qui veut dire très souvent, c'est que bien de un bon Dieu béni, en lui fait grâce, il y a des capacités, il y a des potentialités, il y a des dons. Et lorsque don ça va pas actualisé, il y a pas attribué gloire là à bon Dieu, il y a une vantard. Mm-hmm. Vantard là, c'est à dire que il y a vanté tête, il y a vanté exploit, connaissance en ça que il a réalisé. Donc c'est ça qui est arrivé au début de Nebuchadnezzar. Il était dit gardons un bel royaume dans Babylone, c'est lui même qui réalisait lui avec propre force, avec propre courage et connaissance. Alors que eh bien son pouvoir sa domination, sa royauté, ses richesses et sa connaissance venaient de Dieu. Donc, au lieu que d'y attribuer gloire là à mon Dieu, dans son vantardisme et dans son orgueil, il s'est attribué la gloire de Babylone. Okay. Et mon Dieu était fâché à cause de ça. Et ça vient d'entrer dans le contexte, leçon, où tu dis, pour qui te prends-tu? Ça veut dire, qui a son pensée courrier? Parce que tout ce qu'on recevoir, c'est non mais mon Dieu qu'on recevoir. Et le texte là, c'est normalement, est-ce que tu as le texte Proverbe 30, verset 1 à 3 pour nous, ça, auteur l'a dit. Exactement. À ce propos. Il dit que parole d'Agur, fils de Jacquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ucal. Il est important que nous réalisions, Jimmy, que le monde qui écrit texte, qui écrit partie ça dans le Proverbe 30, ce n'est pas Salomon. C'est un auteur qui est Agur. Monsieur dit comme ça que il reconnaît que stupide, c'est le plus stupide qui gagne, il manque intelligence et que qu'il n'a pas appris la sagesse et qu'il ne connaît pas la science des saints. Donc, voilà un homme qui s'accuse d'être stupide, que le patron n'a rien, donc et que il manquait de sagesse. Donc cette reconnaissance en elle-même de sa part est un signe d'humilité et c'est ça que et première partie leçon à parler voilà. Ok, donc c'est ça t'as dû marquer. Tout vrai chrétien, tout le monde qui connaît que correct. Bon Dieu supposé recevoir crédit dans tout soyer, tout ce qu'on arrive, toute échelle sociale que vous êtes gravi, pas vrai? Exactement. Vous êtes supposé, au lieu de faire vantardise, bon, vous supposé reconnaître que ignorance ou et reconnaître aussi la folie de ta sagesse. Exactement. Mais de ton orgueil, pardon. Exactement. Ok. Donc, nous, après le point de pause, et puis on va retourner pour le reste du son. Avant que nous entrions dans la partie qui vient pour titre une connaissance de Dieu, qui sont en question, nous avons aimé faire garer pour être capable de faire tirer aller pour nous dans l'histoire ou bien récit du pharisien et du publicain. Texte que nous joignons dans Luc. Soit à Luc 18, verset 9 à 14. C'est exactement ça que nous avons parlé tout à l'heure. Nous avons parlé de l'orgueil, de vantardisme, de vanté tête. Maintenant, Jésus parle en parabole, c'est la parabole du publicain que nous toutes là presque estimons que nous connaissons. Maintenant, ça qui vient dans la parabole, ça, c'est que deux nègres présentés dans le temple, là, et il y a deux attitudes totalement différentes, Jimmy. La première attitude là, c'est et le pharisien, alors le pharisien qui commence à frapper l'estomac, il a prié, et puis il y a un publicain qui vient prier devant mon Dieu tout, et puis monsieur dit comme ça que, il dit mon Dieu merci, est-ce que pas même Jean avec. Publicain, ça. Alors, parce que publicain, à cette époque, il était vu comme une personne de mauvaise vie, un monde qui est immoral, on comprend, un monde qui manque d'honnêteté. Donc, monsieur était senti comme supérieur à ce publicain qui se présentait également devant Dieu. Maintenant, Jésus, dans cette parabole, a déclaré que le publicain lui-même a fait cette prière. Maître, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis
un pauvre pécheur. Maintenant, Jésus dit qu'on s'accueille dans deux exaïos et guéris qui sorti justifié. Et c'est là qu'il sorti justifié, hein, c'est le publicain. Et la raison de sa justification, c'est son humilité. Ce qui veut dire que donc, Jésus-Christ, en récit ça, il essaie de faire un contraste entre l'humilité et l'orgueil spirituel du publicain et l'orgueil spirituel du pharisien. Du pharisien. Donc, vous avez remarqué que même un chrétien, même un monde qui vantait de connaître Dieu, ou bien qui dit que on est bon Dieu, il est capable de tomber dans la pièce, ça, pas vrai? Ou définitivement. Et ça, c'est un bagage qui arrive en pile chrétien, qui arrive nous très souvent, côté que nous tellement pensons que nous prions bon Dieu, nous pensons que c'est nous plus bon, et nous commençons à comparer nous avec l'autre monde, nous commençons à vanter tête nous de nos poids spirituels, de ça que nous faisons, de ça nous réaliser pour bon Dieu, et nous pensons que nous, all the way up there, et then tout l'autre monde, ils sont en bas, et puis c'est nous-mêmes qui en l'est. Donc ça, c'est un danger que le chrétien doit se garder, parce que c'est une raison que tu es fait Lucifer ou tu es chassé dans le ciel. C'était à cause de son orgueil. Donc l'orgueil est très dangereux et nous devons tout le temps examiner tête nous pour ne pas tomber dans l'orgueil spirituel ou bien au niveau éducation, bien, etc. Quelle que soit sa nature, l'orgueil est un péché. Donc ça fait que cette leçon, c'est une connaissance de Dieu avec un point d'interrogation. C'est-à-dire que lui met un question mark, c'est-à-dire que lui demande nous pour nous capables de peut-être vous mettre en doute. Est-ce que tout le monde est capable de dire qu'on est mon Dieu et puis orgueilleux à la fois? Absolument pas. Parce que lorsqu'on regarde dans la leçon, il fait nous connaître que plus on chrétien a compte bon Dieu, c'est plus tout à supposé humble. Maintenant, un exemple simple, c'est que on regarde dans la nature. On regarde le cosmos, l'univers que Dieu a créé. Son bagage qui est tellement infiniment grand. L'autre devant nous, on regarde les merveilles, ça, comment toute planète aurait été suspendue dans l'univers, la Terre tourne autour du Soleil 24 heures, etc. Tout ce mécanisme-là qui s'accomplit de façon consistante pendant des millénaires, mon cher, c'est jeter à genoux, vous disons ça, gloire, gloire soit à l'Éternel, parce que vous venez sentir infiniment petit, et Dieu devient infiniment grand dans cette contemplation. Donc, à ce moment-là, vous même sentez la nécessité de vous humilier parce que vous ne représentez rien. Donc, devant la grandeur de Dieu. Bon, comment expliquer, Dan, comment on nous sentit face à cet univers qui est aussi vaste comme ça, avec un bon Dieu qui est assez infini comme ça? Comment expliquer nous-mêmes sur la terre là que nous avons gonflé tête nous sous nos crapauds? Après, est-ce que c'est pas le fait que nous avons essayé de comparer nous à nos frères qui à côté de nous-mêmes? Après, parce que nous sommes capables de remarquer que peut-être nous sommes capables de manquer un bagaille. Et puis donc, nous sentons que, puisque nous sommes capables de manquer ça, moi-même, moi gagné. Donc, il y a lieu pour moi sentir moins fier de tête, moins, ou même sentir moins gros. Mais sans pour autant nous pas comparer nous à bon Dieu. Après, qui t'a supposé notre modèle. Donc, je suis bien content qu'on vienne avec aspect ça, parce que. Danger qui gagne, c'est que tout le temps que je compare ma bon Dieu, je suis humble. Parce que mon Dieu est tellement haut, tellement bas, mon Dieu est tellement grand, tellement petit, mon Dieu est tellement infini, mais même moi tellement éphémère. Il a inspiré l'humilité. Il m'a obligé à venir humble devant mon Dieu, m'a obligé à couper ma genou devant mon Dieu. Okay. C'est l'humilité. Mais cependant, quand je commence à me comparer à frère Jimmy, ou encore à mes prochains, donc certaines fois, dans certaines comparaisons, je peux avoir l'impression que, exactement, que je suis supérieur à certains mondes dans certains domaines. Okay. Maintenant, l'orgueil rentre en jeu et, comme on résulte à tout, l'avantardisme rentre en jeu, on commence à vanter tête moins tout parce que je me compare à quelqu'un d'autre. Donc, l'important en tant que chrétien, que nous apprenons à regarder à Dieu. Plus on a regardé à Dieu, à la création de Dieu, à la toute puissance de Dieu manifestée, à la création de l'univers et de l'homme. Cela nous rend plus humble. Or, mon cher, nous venons réaliser que nous ne pas représenter absolument pas rien. Et quand nous réaliser ça, ça nous fait également réaliser notre besoin de Dieu. Parce que sans ce grand Dieu, je ne suis rien. Donc ça me rend humble. Car toute la valeur que j'ai dépend de ce grand Dieu-là. C'est ça, c'est ça. Mais nous remarquons encore dans le texte, dans les Philippiens, côté où dit Jésus-Christ, lorsqu'il existait en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé comme une poire arrachée. Il a été égal avec Dieu. Pour rester égal à Dieu. Il s'est humilié. Donc, ce qui veut dire que si Jésus-Christ est capable d'adopter l'attitude, ça, pas vrai, d'humilité, ça,
au lieu pour être capable de prendre même position Lucifer là, nous remarquons que Lucifer c'est ça qui fait tomber après. Non, définitivement, après, définitivement. Ça a été le premier péché dans le ciel. L'orgueil. Après, l'orgueil. Donc ça fait qu'un chrétien qui pas t'a aimé pour être capable de prendre Lucifer comme modèle, il a supposé définitivement abandonner ou bien renoncer à tout esprit d'orgueil. D'orgueil, définitivement. Et nous t'ai étudié ça ton en leçon passée, c'est que un chrétien ou toujours même lorsqu'on sage ou un peu de sagesse, alors il faut rester pour comprendre que ou pas contre toute bagaille. Ou intelligent, grand monde qui est intelligent basso. Ou pas gain connaissance dans tout domaine. Ou gain limitation. Donc c'est la raison pour laquelle on t'a supposé humble même lorsqu'on connaît, parce qu'on pas contre toute bagaille, ou pas le dépositaire de toute la science, de toute la connaissance. Donc c'est la raison pour laquelle l'humilité vous invite à écouter certaines fois, à réaliser que peut-être quelqu'un d'autre a raison et que peut-être que vous avez tort. Parce que tu vois, donc plus vous comprenez bagaille, c'est plus souvent humble et moins souvent orgueilleux ou bien vantard. Parce qu'il y a un piège derrière tout cela. Oh, il y a définitivement. Définitivement. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la ruine. La ruine. Donc, ce qui veut dire nous capables de remarquer que la chute de Lucifer était due à son orgueil. OK? Et donc, nous remarquons que Jésus-Christ, puisqu'il était humilié devant mon Dieu, c'est ça fait que Jésus-Christ va recevoir la gloire. Exactement. Et, ou bien, il commençait à recevoir la gloire au ciel dès qu'il était monté. Ouais. Après? Et vous avez l'exemple également de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, à cause de son orgueil, mon Dieu était obligé de descendre. Il s'est fait monsieur aller jusqu'à ce que monsieur allait manger avec bête dans les champs. Ou bon Dieu était qu'à apprendre l'humilité et que toute la gloire qu'il avait venait de Dieu. Donc c'est donc le châtiment qui est réservé à tout le monde qui montrait. À tout orgueilleux. À tout orgueilleux. Donc nous allons prendre une pause et bien nous allons retourner à tout à l'heure pour verser le son. Salut tout amis internautes, nous encore. Si toutes les fois vous faites jouer nous sous plateau, non, moi c'est James et Jean, avec moi mon invité spécial, frère Gary Guillotto. Yes. Donc, on n'a pas un très long parti qui est assez important, ni trop ni peu. Donc, nous parlons, frère Gary, dans Proverbe chapitre 30, versets 8 et 9. Donc, nous te voyons comment le sage, il peut demander bon Dieu, il peut faire une requête à bon Dieu. Il peut dire que, dans verset 8, là, il dit éloigne de moi la fausseté. Et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque pas. Et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc, nous avons remarqué que monsieur était capable de faire une petite groupe prière qu'un sage était capable de faire. Tu es comme le sage qui était fait prière, ça va vrai? Salomon, les bons demandés, Salomon, qui sont voulés? Salomon dit que m'a voulé ceci, m'a voulé cela. Bon, il dit, bon, la sagesse. Mais ici, tu as dit, bon Dieu, il m'a voulé ni ça, bah, qui ça? Il m'a dit, bon Dieu, pour lui, bah, juste peut-être ça qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Comment on est capable de. Qui sont capables d'ajouter à propos de cela? Premier bail que nous remarquons dans le texte, après Jimmy, qui toujours aller dans le contexte, question à faire humilité encore. Réaliser que l'auteur là, Agur, il reconnaît sa dépendance de Dieu. Parce que tu vois, parce que c'est bon Dieu le mandé là. Il dit bon Dieu, et je te demande. Donc, s'il est prêt à demander à Dieu, c'est que Dieu est le grand pouvoir pour lui. C'est ça. Parce que tu vois, c'est qu'il dépend de Dieu. Voilà pourquoi il adresse Dieu dans cette prière. Donc ça, c'est un signe d'humilité. Donc lorsque nous présentons devant mon Dieu pour nous demander un bagage, nous devons faire ça avec humilité.
Maintenant, l'autre bagarre là, c'est que l'immandé mon Dieu, il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Pas quitter vivre dans la pauvreté. Allez, deux extrêmes, ça va. Deux extrêmes, ça va. So, essayez de balancer bagarre pour moi. Pas quitter me tomber dans la pauvreté. Et peut-être qui ça, parce que et la pauvreté, certaines fois, peut être la racine de certains vices. Est-ce que tu comprends? C'est un monde qui est pauvre là parce qu'il a le besoin, il a tenté pour le faire des bagages qui passent ça. Ok? Pour le capable de sortir, pour le capable de survivre. Maintenant, il y a des pièges qui est attaché à une condition pauvre. Maintenant, et la richesse elle-même également est un piège. Parce que ça arrive très souvent que des gens qui sont trop riches, ils oublient Dieu. Ils ont senti que ils sont suffisants. Il n'y a aucune propre suffisance, il n'y a aucun cahier des têtes, il n'y a pas besoin de Dieu encore, il n'y a pas la prière. C'est ça, Jésus-Christ, il est l'attrait trompeur de la richesse. Exactement. C'est ça, fait du conseil que le plus facile pour un riche passer, et pour un chameau passer dans ton aiguille, que un riche entrer dans le royaume des cieux. Donc, nous croyons que partie ça, c'est ça, seulement Abdi Souli. Donc, c'est très important que nous réalisions ça encore, que nous allons devant mon Dieu avec humilité, et que nous réalisions que nous dépendons de mon Dieu, et que notre pain quotidien dépend de Dieu. Cependant, nous demandons bon Dieu à l'instar d'Agur pour le bénir nous et pour ne pas permettre que ni richesse pour tes têtes nous aller, ni trop pauvreté, tout fait que nous renions bon Dieu ou bien nous éloignons nous de Dieu. Donc, nous, ouais, que l'humilité est un bagage qui est positif parce que entraîner des bénédictions. Well. C'est même genre tout, on manque d'humilité, son bagage qui est dangereux tout, il entraîne des malédictions. Donc, comment expliquer les actes de l'arrogant? Donc, c'est-à-dire que acte ça, c'est-à-dire définitivement, les mener à qui ça? À l'arrogance. Le sentier de la malédiction. De la malédiction, définitivement, parce que, dans la partie ça, nous voyons que Agur parlait de un acte d'arrogance peut-être qui peut être capable capable bien, selon ce qu'on timoun, il a dérespecté maman n'a pas parlé. Il a montré de l'arrogance envers ses parents. Donc, une malédiction qui prononçait là, d'après Agur, à un timoun qui t'a agi comme ça. Et très souvent dans la société qu'on a vivre là, mais nous voyons que des enfants, certaines fois, se comportent en tant que tels, ils comportent d'une façon que ils ont méprisé les parents, ils ont orgueillé, ils ont humilié les parents, ils ont pensé que c'est eux seulement qu'on est. Cette forme d'orgueil, aux yeux de Dieu, est coupable et condamnable. Maintenant, il y a... Surtout dans le contexte haïtien. Dans le contexte haïtien. Parce que timoun ne connaît qu'il parle anglais, parle anglais, ou qu'il parle avec accent. Donc, il pensait qu'il y a une supériorité. Parce que le fait ici. Parce que le fait ici. Par en fait en Haïti. So, ça peut manifester de plusieurs façons. Okay. Maintenant, l'arrogance également, il y a l'arrogance spirituelle qui est très, très importante que vous parlez dans la leçon. C'est l'église de l'Odyssée. Okay. L'Odyssée qui s'est dit, eh bien, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. De rien. Donc, ça, c'est l'orgueil encore, l'orgueil spirituel. Et bon Dieu condamnait les îles ou pour qu'on ait parce que, ou pauvre, ou aveugle, ou nu. Et me conseille pour acheter de moi-même. Donc, c'est la même répétition. C'est-à-dire, quel que soit l'aspect que nous considérons, que l'aspect familial, relation timon avec parents, que l'aspect entre les frères, sur le plan spirituel, et à quelque niveau que ce soit, le chrétien doit se garder de l'arrogance et du vantardisme. Et cela n'est pas épargné ni un chrétien humble, ou d'ailleurs un chrétien, un simple chrétien, ni un monde qui dirige l'église, ou un pasteur d'église. Non. Principe, ça, c'est pour tout le monde. Il est universel. Et quel qu'on soit chrétien, quelle que soit position chrétienne t'a occupé dans sa vie, dans ses fonctions, il est supposé faire avec humilité. Et ça, c'est un signe de la vraie sagesse. C'est la sagesse qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. C'est-à-dire, ce sont des pièges que nous supposons garder nous contre lui-même. Right. OK. Donc, nous avons fait ouvrir la Bible encore. Nous allons lire le Proverbe chapitre 30, versets 18 et 19. Et ma conscience est vouloir lire nous. Tiens. Alors, il dit qu'il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Même quatre que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Donc, frère Dimi, ça que nous voyons là dans le verset, ça, c'est que Agur, notre texte, nous sommes contemplés des éléments de la nature. Nous sommes gardés un aigle qui a volé avec vélocité que l'aigle a volé dans l'air. Rapidité, grâce que l'animal l'a volé. Et altitude. Altitude que l'aigle gagne et que lui-même en tant qu'humain n'a pas qu'à faire ça. Monsieur Vincent dit que même lorsque en tant qu'humain sentit le grand, mais bête ça a gagné un bagage en plus que monsieur pas gagné. Sur devant cette merveille que le pas qu'à expliquer, monsieur dit que monsieur a gagné
moi petit toujours beaucoup fin compte toute bagaille net beaucoup fin comprendre toute bagaille net. So monsieur mettait là en exergue quelques éléments de la nature que jusqu'à présent que il pas arrivé comprendre. Tel que l'aigle, et monsieur vient avec d'autres exemples, il dit que et le serpent par exemple, la façon qui j'en sais pas marcher, filer entre les feuillages ou bien sur le rocher. OK, la grâce du serpent également. I mean, grand pile monde qui pas appeler serpent, moi même pas le serpent, vous comprenez? Mais bon beauté quand mais même. Mais cependant, animal là gon grâce la calé, gon rapidité de déplacement qui un petit peu attire attention ou demander comment bête la fait une dextérité ça. Donc et aussi lorsque nous remarquer que il pas gain pied, il pas gain pied, déplacer, bouger même là avec nous-mêmes. Exactement. Et monsieur parle tout, monsieur fait comprendre que l'homme et la femme, eh bien, tous sont merveilles pour lui tout. C'est-à-dire que tous les éléments de la nature que Dieu a créés, augurent en les contemplant, ils réalisent la grandeur de Dieu. Ils restent émerveillés. Émerveillés. Et plus ils réalisent la grandeur de Dieu, c'est plus qu'ils réalisent ses limitations, sa petitesse. Plus ils réalisent sa petitesse, c'est plus qu'ils tendent à être humbles. Devant Dieu. Parce que réaliser que dans la création, malgré toute la gloire qu'il a en tant qu'homme, mais cependant, il y a des choses également dans la création parmi les animaux même qui dépassent l'équipe grand passé et que le pas qu'à comprendre et que le pas qu'à faire. Et remarquez, frère Gary, c'est que nous considérons nous comme le couronnement de la création de Dieu. Parce que nous disons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais remarquez que Agur, en tant qu'un être qui croit qu'il est supérieur aux autres animaux, mais qui dit que il y a pas qu'il pas comprendre la façon que il a pu bouger, il a pu évoluer sur la terre. Donc tout qu'on fait nous mêmes chrétiens nous t'as supposé gagner même attitude ça va vrai. C'est-à-dire non seulement limitation nous reconnaître limitation nous reconnaître que nous pas comprendre tout bagaille, nous rester émerveillés face à tout étalage ou bien la création qui est allée devant nous mêmes chrétiens. Donc comment on peut résumer pour nous leçon ça que tu as étudié, qui devient pour titre l'humilité des sages. C'est-à-dire que, est-ce que vous capable ou est que on est qui sage tout bon, on est qui prétend être sage, est-ce qu'on capable ou est un brin d'orgueil dans lui-même? Est-ce qu'on capable de dire, pour capable résumer pour nous? Pour nous résumer, on a dit que nous vivons dans un monde côté que très souvent, monde qui riche, monde qui gagne pile connaissance, monde qui fait des études, yo gade sou sa ou akompli, et société gade sou tout bazar pou yo juje ou. Et chaque monde dans société que nous avons là, yo gon statut que yo occupé basé sur bagay sa, sur richesse, connaissance, autorité, qui genre de travail qu'on fait. Mais malheureusement, toute différence sa yo que yo établi dans la société, yo gen tendance pour faire moun ki au haut de l'échelle sociale, à quelque niveau que ce soit, et pour quelque raison que ce soit, eh bien, yo gon tendance à s'enorgueillir. Parce que la société vénère eux, ils vénèrent à cause de leur richesse et de leur connaissance, ça fait que ils ont tendance pour venir vantard, ça a tendance pour venir orgueilleux. Nous mêmes qui dit que nous sommes chrétiens, nous pas capables de tomber dans piège ça. Côté que nous mêmes tout pour nous orgueux et ceci même sur le plan spirituel. Peut-être nous qu'à chrétiens nous pas gain l'argent, nous pas gain gros connaissance. Mais cependant au milieu même de nos églises par exemple ou bien de la foi adventiste, nous rencontrons beaucoup de frères et de sœurs qui sont orgueilleux quant à la déposition des vérités que nous avons et qui l'ont gardé à l'autre religion, qui pensaient que eux-mêmes sont là et puis tout l'autre monde est en bas. C'est déposé de la vérité, les autres ne pas connaître et puis tout, ils peuvent sauver tout. Exactement, que nous riches n'ont pas besoin. Donc l'orgueil, définitivement, c'est un péché grave. C'est un péché grave. Donc nous remercions tous les amis internes qui ont suivi avec nous, le son qui était assez fascinant comme ça. Et nous avons dit, frère Gary, qu'il faut un bon job tout. C'est la façon qu'il te présente le son avec nous. Donc, nous voulons croire que, chers internautes, vous êtes bénéficiés en pile du développement du son et nous invitons à approfondir le son et aussi à demander, bon Dieu, pour capable acquérir, pour capable accorder ou saluer l'humilité. Parce que c'est une vertu clé pour les chrétiens, ceux qui se disent des disciples du Christ. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine. Le monde c'est pas la caille, moi.